Un atelier de partage et d'harmonisation du fonctionnement de l'Observatoire national de la compétitivité pays ONCP s'est tenu dans la journée du mercredi 8 novembre 2023 à Conakry. Cet événement remarquable, organisé par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, a été le point de convergence d'une pléiade de d'éminentes personnalités venues des secteurs publics et privés, ainsi que des structures partenaires au développement. L'ONCP, pivot stratégique de la renaissance de la filière ananas en Guinée, incarne un projet soutenu financièrement par l'Union européenne. Ses objectifs clés incluent l'élévation des performances de la filière ananas en Guinée, l'impulsion de sa contribution à l'industrie, au commerce régional, à l'exportation et à la création d'emplois, sans omettre l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Dans son discours de bienvenue, Moussa Kahn, directeur général de l'ONCP, a exposé les défis majeurs auxquels est confrontée la compétitivité des pays d'Afrique de l'Ouest. Ces défis sont liés, entre autres, à la libre circulation des biens, la chaîne de valeur intégrée, la technologie et l'innovation. Une évaluation récente a permis de mettre en évidence les principaux défis auxquels la compétitivité des États de l'Afrique de l'Ouest sont confrontés et qui portent notamment sur les défis de fonctionnement des différents instruments régionaux, entre autres le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, le protocole de libre circulation, le TEC, la SLECAF et bien d'autres. L'absence d'instruments régionaux pour suivre la mise en œuvre des accords commerciaux et d'en évaluer leur impact sur la compétitivité des États. L'absence de chaînes de valeur intégrées et l'insuffisance de transformation, de modernisation, de diversification ainsi que les coûts élevés de production. Le climat peu favorable pour les investissements, la faiblesse dans les domaines de la technologie, de l'innovation et des infrastructures de qualité, l'inadéquation de formation et des compétences aux besoins des entreprises, l'insuffisance des infrastructures de transport, d'énergie, mais également de télécommunications. Bien que la Guinée détienne un potentiel remarquable en tant que carrefour des échanges en Afrique de l'Ouest, Moussa Kahn souligne que le pays reste néanmoins à la traîne en matière de compétitivité à l'échelle mondiale. Une initiative de partenariat entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne a mis en place un programme de compétitivité au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que nous appelons le PCAO. L'objectif du programme est de renforcer la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest et d'améliorer l'intégration de ces pays dans le système commercial régional et international, y compris la zone de libre-échange continentale africaine. Le programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest reflète la vision de la troisième décennie du développement industriel de l'Afrique et s'aligne sur le mandat de l'ONUDI, qui est de favoriser le développement industriel inclusif et durable. Aussi, la République de Guinée, pays côtier de l'Afrique de l'Ouest, disposant de 6 frontières terrestres, faisant d'elle un carrefour naturel des échanges et une tête de pont pour l'intégration sous-régionale, notamment pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec un marché de 330 millions de consommateurs, reste à la traîne malgré son formidable potentiel. Mohamed Bakayoko, secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, a mis en exergue l'impératif d'une collaboration étroite pour créer les conditions nécessaires à la compétitivité, particulièrement en ce qui concerne les infrastructures et l'approvisionnement du marché. Ce que nous faisons déjà, il n'y a pas un nouvel élan, mais nos responsabilités respectives sont que nous puissions collaborer amplement pour que nous, en tant que ministère du Commerce, que nous puissions faciliter l'approvisionnement du marché en termes de denrées alimentaires, et à côté de cela, que nos confrères aussi du ministère de l'Agriculture donnent tous les efforts possibles, et ils sont en train de le faire, il faut le dire déjà, pour que les Guinéens puissent déjà produire. Mais encore une fois, comme je le dis, il faut être plus large que les simples questions de production ou les simples questions de commercialisation. Parce que quand on parle de compétitivité, on est plutôt en train de parler des
des bases qui permettent de pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions. Quand on parle de commercialisation, il faut des routes. Bon, il faut de l'énergie pour la transformation industrielle. Il faut pouvoir acheminer vers des infrastructures marchandes. Donc en fait, c'est un ensemble d'éléments qui vont permettre que l'on puisse dire que oui, la Guinée est un pays de destination. Donc vous avez le code des investissements quand vous voulez investir en Guinée. Donc il y a des éléments beaucoup plus larges. Donc ces questions-là sont plutôt d'ordre technique, mais nous nous inscrivons déjà dans cette démarche et nous comptons en tout cas déployer encore plus d'efforts, mettre plus les moyens à la disposition des services techniques pour pouvoir satisfaire les besoins de nos concitoyens. Ansoumane Bérété, représentant de l'ONU, a quant à lui salué la vision du gouvernement guinéen dans la quête de moyens pour propulser la Guinée sur la scène internationale, tout en réitérant l'engagement indéfectible de l'ONU à accompagner la Guinée dans ce périple. C'est de se poser la question comment la Guinée se positionne par rapport aux autres nations du monde. Comment la Guinée se positionne par rapport aux autres pays africains et spécifiquement comment elle se positionne par rapport aux pays de la CEDEAO dans le contexte actuel d'une mondialisation tout azimut et qui, heureusement, se concrétise en Afrique par la mise en place de la zone de libre-échange continental qui laisse désormais de plus en plus ouvert l'espace à tous les États et aux acteurs économiques de ces États de compétir librement et d'avoir accès aux opportunités et aux ressources qui devraient concourir à la création de cette prospérité partagée et recherchée. Donc, à la réalisation des objectifs de développement. L'ONUDI voudrait saluer la vision et la clairvoyance du gouvernement guinéen, en particulier le ministère de l'Industrie, du Commerce et des PME, pour la mise en place de cet instrument important qu'est l'ONCP, et de continuer à œuvrer inlassablement à son opérationnalisation. Cela nous interpelle. Cela nous a interpellés au niveau de l'ONUDI, ce qui aujourd'hui nous donne le plaisir de nous tenir à vos côtés pour accompagner le processus d'opérationnalisation de cet instrument majeur pour un meilleur positionnement de notre pays, la Guinée. Je voudrais donc saluer la mise en place du Comité national stratégique d'orientation stratégique, qui est une étape importante, une étape fondamentale, un organe clé, puisque fédérateur, reflétant la diversité des acteurs qui sont concernés, qui devraient nécessairement être impliqués dans la promotion de la compétitivité du pays. Je voudrais donc et féliciter et encourager tous les membres de ce comité et leur réitérer à travers l'ONCP de l'engagement continu de l'ONUDI à leur côté dans les travaux qu'ils auront à dérouler. Il est essentiel de noter que la tenue de cet atelier devra permettre aux participants d'échanger des informations cruciales sur la compétitivité et le rôle essentiel de l'ONCP dans le cadre du progrès de la Guinée.